Je vais vous présenter un nouveau glitch de duplication d'items et de schémas sur MW3 Zombie. J'ai découvert ce glitch il y a 2-3 jours, par contre j'ai pas fait la vidéo assez rapidement à cause de la sortie de Fortnite et tout le travail que j'avais à faire. Donc au final, d'autres anglophones l'ont posté avant moi, et donc bien entendu, c'est eux les sources principales de ce glitch que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Alors ce qui se passe, c'est que depuis la dernière mise à jour, Call of Duty a mis en place une protection contre la perte du stuff en début de partie. Sûrement pour protéger les joueurs qui crachaient en début de partie et qui perdaient tout leur stuff. Donc maintenant, dans les premières secondes que vous apparaissez, vous allez pouvoir déposer tout votre stuff par terre et ainsi le donner à n'importe quel joueur. Ensuite, vous fermez l'application et vous relancez votre jeu. Quand vous allez relancer votre jeu, vous aurez toujours tous les items et l'autre joueur du lobby va pouvoir en profiter. Donc vous allez pouvoir dupliquer n'importe quel item et n'importe quel schéma. Par contre, pour pouvoir stocker un schéma dans votre sac à dos, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous exfiltrer avec un hélicoptère de mission. Obligatoirement un hélicoptère de mission. Quand l'hélicoptère d'exfiltration commence à s'envoler, là vous fermez l'application directement sur console. Si vous êtes sur PC, il faut attendre le message « Exfiltration réussie » pour fermer votre application. Ensuite, quand vous allez relancer votre jeu, vous aurez toujours le plan du pistolet laser dans votre sac à dos. Et en plus, si vous ne l'aviez pas encore débloqué, eh bien, il sera débloqué directement dans vos schémas. Donc là, vous l'aurez dupliqué directement pour vous-même. Donc à ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement l'offrir à d'autres joueurs. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de le partager sur le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé à toutes les personnes qui ont besoin de le débloquer. Donc si vous voulez débloquer instantanément le pistolet laser, je vous conseille de rejoindre le Discord en description et en commentaire épinglé. Alors, information supplémentaire à propos de ce glitch, si maintenant vous voulez dupliquer les items et les schémas pour vos potes et que vous lancez une partie, mais que la partie a déjà commencé, parfois ça arrive, vous arrivez dans une partie où la partie a déjà commencé, et bien là, le glitch ne fonctionnera pas. Donc si c'est le cas, pour ne pas perdre vos items et le schéma, ce que vous faites, c'est que vous allez vers l'hélicoptère d'exfiltration de mission. Et vous fermez l'application quand l'hélicoptère est en train de s'envoler. Ensuite, deuxième information très importante que l'abonné Ledge m'a expliqué, c'est que si maintenant vous mettez le schéma dans votre stockage, il va disparaître. Donc vous devrez le garder tout le temps dans votre sac à dos pour ne pas le perdre. Et dernière information que j'ai remarqué en essayant de mettre le plan dans ma pierre tombale, c'est que la personne qui reçoit le plan dupliqué du pistolet laser ne peut pas le laisser tomber par terre. Parce que s'il le laisse tomber par terre, il disparaît également. Donc obligatoirement, si quelqu'un vous donne le plan du pistolet laser, là vous vous exfiltrez avec un hélicoptère de mission et vous fermez l'application directement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, et si vous connaissez plus d'astuces ou plus de glitches, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire.